Hello! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale, comme vous l'avez vu dans le titre, puisqu'on va parler de rouge à lèvres bleu. Voilà, ça vient de plus en plus à la mode, j'en vois dans plein de marques, alors pas des grandes marques comme L'Oréal, etc. Mais même NYX, Urban Decay, Too Faced, etc. C'est vrai que ça devient de plus en plus à la mode, mais c'est pas forcément portable. Ou en tous les cas, faut oser. Jusqu'à maintenant, j'osais pas. Et en fait, j'ai acheté celui que je porte avant-hier avec ma copine Emily du blog Emily Paris. Et en fait, on s'est dit, putain, mais on le veut absolument, mais on va jamais le porter comme les autres. Et on va aller boire un café après. Et bah en fait, on l'a mis et on s'est dit, vas-y, on va essayer. Et en fait, franchement, ça passe. Voilà, il y a certains bleus qui passent. Alors, certains d'entre vous vont certainement trouver ça horrible, j'entends bien. Mais je vous assure que ça passe, en vrai. Par contre, j'en ai acheté d'autres. Voilà, je voulais vous les montrer. J'en ai combien en tout? 2, 4, 6. J'en ai 8 plus 1 que je trouve pas, donc 9. Donc, vous imaginez bien que j'en ai 9 que j'ai acheté, mais que je ne mets que chez moi. C'est quand même déjà, imaginez-vous, là, voilà. Mais depuis que j'ai fait le premier pas avec celui-là, en fait, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que dans les 9, il y en a quand même que je peux porter dehors. Il y en a que je portais un petit peu, je triche un petit peu, mais il y en a que je peux porter dehors facilement. Voilà. Au niveau des yeux et tout, bah là, je me suis maquillée. Je vous ai fait ma vidéo mercredi sur une palette, donc j'ai gardé le même maquillage. Écoutez, ça passe aussi. Donc je pense qu'il faut pas un truc de ouf, mais franchement, ça passe. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je sais, ça va être un petit peu spécial, mais voilà, je vais vous les montrer du moins portable, puisque c'est celui dont on va le moins parler. En plus, je vous en ai déjà fait un article et même une vidéo, au plus portable, donc qui sera celui-ci. Alors, le moins portable et qui est importable en fait, c'est mon Breakfast at Tiffany's de chez Jeffree Star. Donc, si vous connaissez la marque Tiffany's, c'est la couleur de leur logo, voilà. Moi, je suis fan du livre et du film aussi, Breakfast at Tiffany's, donc je le voulais absolument pour ça. Je m'en sers sur les yeux, voilà. En fait, je m'en sers en fard à paupières. Je vous en ai fait un article où j'ai expliqué comment vous en servir, soit en le mélangeant à d'autres pour faire un autre rouge à lèvres, soit underliner, liner, fard à paupières, etc. Je vous mets le lien de l'article en barre d'infos. Donc lui, sur les lèvres, clairement, c'est pas possible. Voilà, je pense que vous voyez dans les images du swatch, ce n'est pas possible, je ne sortirai jamais avec, même si c'est un Jeffree Star et que j'aime beaucoup, etc. Ensuite, il y en a un autre que je pense que j'aurais du mal à porter parce qu'il est trop franc. C'est le Liquid Suede de chez NYX qui s'appelle Jet Set. Alors, je le trouve sublime vraiment de couleur. C'est un bleu roi. Il est plus clair en fait que celui que je porte, mais c'est un peu le même genre de couleur. Mais vraiment, je pense que j'aurais du mal à sortir avec parce qu'il est vraiment très très franc en fait. Et voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué. Par contre, et en plus, ah oui, et en plus sur moi, les suèdes ils tiennent pas, donc très vite il fait des trous, donc il tient pas. Donc forcément, voilà, un rouge à lèvres bleu, il faut que. Enfin, déjà, un rouge à lèvres mat en général, si ça fait des trous, c'est moche. Mais alors quand il est bleu, encore plus, donc. Voilà. Ensuite, celui que je pourrais porter, je l'ai mis là, mais c'est un peu de la triche parce qu'il est pas vraiment bleu. En fait, il est noir au reflet bleu. C'est le Kylie Majesty. Voilà. En fait, c'est un noir gris au reflet bleu. Donc, il n'est pas vraiment bleu, mais je pense que lui, je pourrais commencer à sortir avec. Commencer. Voilà. Ensuite, alors j'en ai deux, donc je les mets un peu au milieu de cette sélection en fait, parce que on peut les mettre sur d'autres. Donc le premier, je vous en ai parlé, j'adore, c'est le Unicorn Tears de Too Faced. Donc en fait c'est un bleu iridescent rose. Donc lui, en vrai, il est plutôt portable si on veut, soit tout seul, soit sur un autre, si on le met légèrement. Si on le met comme vous êtes en train de le voir dans le swatch. En plusieurs couches, il fait vraiment bleu bébé, donc il est plus compliqué. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu au milieu, parce qu'en fait il y a des choses à faire avec, et surtout il teinte les lèvres très très roses. Donc voilà, donc en plus en dessous, si on n'en met pas beaucoup, les lèvres vont garder le côté rosé, il y aura juste 2-3 paillettes, et si on en met beaucoup, bah c'est vraiment une licorne en fait. Voilà.
Et l'autre aussi, c'est le Alice au pays des merveilles, qui s'appelle Time, voilà, qui est très joli, mais c'est un métallisé. Voilà. Donc la couleur encore, ça peut aller. Il est un peu dans le même genre de couleur que Kylie Majesty, sauf que c'est un vrai bleu. Mais comme c'est un métallisé, ça peut vite faire des trous. Donc ce que on peut faire, là vous allez le voir en image sur un Jeffree Star, mais je vais vous le mettre sur celui-là, c'est de le porter sur un autre rouge à lèvres pour lui donner juste quelques paillettes, quoi. Donc vous voyez, tout de suite en fait ça le rehausse un petit peu. Et ça apporte un petit truc en plus, et comme il est bleu, bah voilà quoi, vous pouvez... Bon, moi je le ferai pas sur d'autres couleurs, parce que je pense que ça irait pas, parce qu'il est... Vous voyez, il a quand même sa propre couleur. Mais sur un autre, c'est quand même hyper joli, quoi, quand vous portez déjà du bleu, genre, voilà. Donc, mais tout seul, j'ai un petit peu de mal, parce que à cause de cette histoire qui fait des trous... Enfin, c'est pas qu'il fait des trous, mais c'est un métallique bleu, donc vous voyez, c'est pas... C'est pas comme un rose où on peut remettre. Lui, dès qu'il s'estompe, il va s'estomper joliment. Mais comme c'est un bleu, ça s'estompe grisé. Enfin, c'est pas très, très beau à l'estompage. Sur un autre, par contre, c'est magnifique. Et enfin, bah, il m'en reste que deux. Ah, mais en fait, ça allait super vite, cette vidéo. Il y a le Jeffree Star Abused. Voilà. Qui est un bleu très foncé, au ton violet, un peu grisé. Voilà. Lui, je pense que clairement, je vais pouvoir commencer à sortir avec, parce que voilà, faut l'assumer, mais c'est un des plus simples à assumer parce qu'il est très très foncé. Donc on sait pas trop s'il est violet très foncé ou bleu ou noir, et il est quand même très très joli, quoi. Donc je pense que lui, je peux commencer à m'y mettre maintenant que j'ai essayé celui que j'ai sur les lèvres là. Je pense que je peux essayer de sortir avec ça. Et enfin, donc celui qui a amorcé et cette vidéo et le fait que oui, je vais sortir avec du bleu de chez moi, enfin, on va essayer, c'est le Melted Matte Woos Zoom In Woo, qui est sublimissime. En fait, tout ce que je vous ai dit sur les autres, bah il a tout ce qu'il faut et il a pas tout ce qu'il faut pas. Voilà. Donc vous voyez, il est plus foncé que le NYX, qui est trop franc pour moi. Il est un peu plus clair que le Jeffree Star, donc on voit que c'est un bleu et on n'a pas de... Enfin, vous voyez le Jeffree Star et on sait pas trop si c'est un violet foncé, un bleu, un machin, donc voilà. La texture est parfaite, la tenue est très bien, il fait pas de trous, il tient très bien, faut juste en mettre qu'une seule fine couche et pas trop en rajouter, sinon il peluche comme beaucoup de mat. Mais voilà, si vous voyez qu'il commence à faire... si vous avez mangé ou quoi, en remettez pas par-dessus, plutôt enlevez-le et remettez-en. Mais voilà, il tient très bien. Hier, je l'ai porté toute la soirée, il a tenu parfaitement. Et je trouve qu'en fait, bah, de tout ce que j'ai pour l'instant, c'est le bleu le plus portable. Il y en a un autre que j'avais, mais écoutez, c'est un rouge à lèvres bâton et je ne le retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai foutu, franchement. Et qui, lui, je pense qu'il aurait été plus portable, voilà, de ce que je me souviens, parce que j'ai... Enfin, ouais, je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Le bleu, est-ce que c'est portable? Oui. Oui, oui, en vrai c'est portable. C'est vrai que c'est pas fait que pour porter sur Instagram et faire des photos sur Instagram, faire des looks, etc. Vous pouvez essayer de sortir avec. Après oui, il faut l'assumer. Moi je trouve que ça s'oublie vite. C'est-à-dire que hier quand on a mis le melted avec Emily, sur le coup on était à mon machin, mais puis au bout d'un moment en fait, enfin moi je l'ai oublié personnellement parce que je sais pas, voilà, j'ai oublié que je le portais. Et ça s'est pas trop mal passé, surtout en fait c'était au retour dans le métro. En fait au bout d'un moment bah tu t'en fous, quoi. Tu vérifies juste qu'il n'y a pas de trou, que ça fait pas dégueulasse. Je te dis pas que tu vas pouvoir le mettre au boulot non plus. Mais en fait oui, le bleu c'est portable au final. C'est pas le moins portable. Je préfère porter du bleu que porter du vert ou du jaune ou certaines couleurs trop claires. Qui me vont pas, bah, je trouve que le bleu finalement bah, ça me va mieux que certaines couleurs trop claires. Donc comme quoi, voilà. Après, quel bleu acheter, je pense que c'est aussi selon vous, mais ça c'est un portable. Je pense que peut-être sur les métis ou les blacks, peut-être que ça pourrait vous aller, mais bon c'est, ça reste quand même très clair, donc voilà. Par contre, ça je... Pour moi,
je pense que ça pourrait aller à tout le monde, enfin à toutes les carnations, parce que c'est ce que je vous disais, il est ni trop bleu, ni pas assez, ni machin. Et par contre ça, celui-ci là, celui que moi je trouve trop franc pour moi, sur les peaux black et métisse, ça peut être super joli je pense, parce que voilà, ça va ressortir plus, voilà, celui-là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, moi j'ai trouvé mon amour dans le bleu, en tous les cas pour l'instant, je sais ce que j'en rachète d'autres, le Melted Matte de Too Faced. Je vais pas en acheter plus, c'est-à-dire que j'en achète quand j'en trouve un sublime et tout, ou pour ma collection ou quoi. Là oui, mais je vais pas en acheter plus parce que maintenant je sors avec, parce que ça reste des couleurs que je mettrai pas tous les jours. Mais voilà, maintenant au moins je vais essayer de les utiliser et de les porter dehors. Je pense que je vous ferai des snaps un peu rigolos parce que ça va ça fait un peu bizarre quand même de sortir avec, au début hein. Après peut-être que voilà, mais je vous tiendrai au courant, je vous dirai sur snap et tout comment ça fait de sortir en bleu, voilà. Dites-moi si vous en portez du rouge à lèvres bleu, si vous en avez et que vous êtes comme moi et restez chez vous pour enfin y rester jusqu'à maintenant chez vous pour faire des looks, etc. Si vous voilà, dites-moi tout sur le rouge à lèvres bleu, ce que vous en pensez, etc. Et oubliez pas que vous pouvez, enfin moi en tous les cas avec les rouges à lèvres liquides, avec les Too Faced ça peut le faire aussi, et avec ceux-là aussi je pense, parce qu'ils sont bien liquides. Si vous trouvez un bleu très beau mais que vous n'osez pas le porter sur les lèvres, vous pouvez le porter sur les yeux en liner et tout. Vous pouvez voir mon article. Et j'avais fait une vidéo aussi de maquillage avec les rouges à lèvres Jeffree Star. Voilà. Dites-moi tout sur le bleu et vous. Mercredi, on parle d'une nouvelle palette. Je suis trop contente. Si vous me connaissez, vous allez trouver de laquelle je vais vous parler en regardant mon maquillage et tout. Je suis trop contente. D'ici là, je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye bye!